Bonjour à tous et à tous, je suis de retour, Danielle Chiron. Voilà, donc pour vous faire mon petit live de midi aujourd'hui. Donc je suis heureuse d'être parmi vous. Donc si vous passez par là, bah, faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous êtes. Voilà, et bah, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, voilà. Ah, salut Noël. Noël et Christian, d'accord. Bonjour. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis praticienne de santé naturelle et que je suis plutôt dans la gestion du stress. J'aide les gens, plus particulièrement les femmes, à mieux gérer leur stress. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais tout simplement vous parler en fait de ma façon de travailler et de vous expliquer aussi les technologies actuelles. Alors, quand moi j'ai découvert une technique particulière qui s'appelle l'EFT, je me suis formée et j'ai appris qu'on pouvait travailler à distance avec cet outil. Je vous avoue très franchement que j'étais, disons, plutôt, j'étais très curieuse de savoir comment ça allait fonctionner et j'avais du recul aussi par rapport à ça. Donc moi, je ne suis pas non plus toute jeune, hein, voilà. Donc la technologie, bah, elle évolue très très vite. Je ne suis pas née dans le berceau, comme je dis, comme mes enfants avec des téléphones portables et la technologie actuelle. Donc je me forme, je suis là, je tiens bon, voilà, parce que j'ai tout à fait conscience que d'ici quelques années, si on ne suit pas, on sera vraiment perdu. Et tout est fait aussi pour que l'on s'y mette. Et donc, quand j'ai appris l'EFT, j'ai appris aussi que l'EFT fonctionnait très bien par téléphone et par Skype. Et donc, j'ai testé avant de dire quoi que ce soit, de savoir comment ça allait fonctionner. Voilà, j'ai fait le test. Et à ma grande curiosité, je me suis aperçue que ça fonctionnait vraiment très, très bien. Et que pour ma part, on était encore plus en éveil et à l'écoute de la personne, puisqu'on ne l'avait pas en face de soi. Voilà. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, on peut travailler avec les technologies actuelles et donc du coup, on peut aider un plus grand nombre de personnes, puisqu'on peut parler à des gens du moment qu'on parle la même langue. Donc déjà, travailler déjà dans toute la francophonie et c'est formidable. Et en plus, un autre point important, c'est que vous ne vous déplacez pas. Vous êtes dans un endroit que vous avez choisi. Ça peut être chez vous, ça peut être dans votre bureau, ça peut être ailleurs. Mais enfin, c'est vous qui déterminez l'endroit où vous voulez recevoir votre séance. On détermine l'horaire ensemble. Et donc, du coup, vous n'avez plus de déplacement. Vous n'avez plus donc de temps à dépenser. Et vous n'avez plus non plus d'argent à dépenser dans votre différentes formes de déplacement, que ce soit votre voiture, parce que tout ça a toujours un coût. Moi, pour ma part, je peux vous dire que bon, depuis très longtemps, je me soigne aussi avec des techniques naturelles. Et les thérapeutes que je vais voir ont bien souvent ne sont pas à ma portée, à côté de chez moi. Et j'ai fait beaucoup de kilomètres, notamment pour moi-même et pour mes enfants. J'ai fait beaucoup de kilomètres de déplacement. Alors donc souvent, il y avait minimum 30 minutes, 45 minutes de temps de déplacement aller, plus la séance, donc vous comptez une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend comment les gens soignent, voire des fois une heure. Et le retour, vous recomptez encore trois quarts d'heure, une heure de déplacement, mais vous avez vite dépensé 3 heures minimum, 3 heures, 3 heures et demie de votre temps pour vous soigner. Alors que avec les technologies actuelles, en dehors évidemment de tout ce massage, de tout ce qui est physique, contact physique, les massages et tout ça bien sûr, à recevoir, toutes les autres technologies, ben, vous gagnez un temps fou, vous gagnez un confort fou, et puis ça fonctionne. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes en recul par rapport à ça, eh bien, avant de l'exprimer ce recul, avant d'exprimer ce côté négatif, testez d'abord. Faites votre essai sur n'importe quelle technologie. Faites votre essai. Regardez comment ça fonctionne sur vous et comment ça marche. Et si ça marche bien, eh ben allez-y. Voilà. Parce que c'est formidable, quoi. Il faut vivre aussi avec son temps. Il faut évoluer et tout pas voir, ne pas toujours tout voir en négatif.
Voilà, il faut voir aussi les choses positivement. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, ma façon de travailler, je reçois des gens chez moi, les gens qui sont autour de chez moi, qui veulent venir me voir, et avec grand plaisir. Mais aussi, je partage mes connaissances via les technologies actuelles, via le Skype ou d'autres technologies, mais via l'Internet. Et je suis ravie parce qu'on peut vraiment aider davantage de personnes et faire vraiment plein de choses positives. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Je vous repose encore ma petite question. Bonjour Emma. Le stress chez vous, comment il se manifeste? Voilà, si vous voulez me le partager, ça serait super sympa. Voilà, parce que ça me permet aussi d'évoluer. Noël, alors tu me demandes, c'est où à côté de chez toi? Mais moi, je suis dans l'Eure, Noël. Je suis à 100 km de Paris. J'habite dans l'Eure. J'habite tout à côté je suis à 20 minutes de René et de Marc et René, si ça te parle. Je sais que tu es venu les voir il n'y a pas très longtemps et que vous avez même déjeuné dans un bon petit restaurant. Et j'habite à 10 minutes de ce restaurant, si tu me situes. Voilà, je suis là. Donc, je suis pas loin de Paris, donc je suis en voiture. Quand tout circule bien, je suis à 1h30 de Paris. Voilà, voilà. Voilà, tu sais tout. Voilà, alors avez-vous d'autres questions? Sinon, voilà. Alors, pour ma part, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et moi, je vous retrouverai lundi, parce que pour moi aussi, le week-end, c'est important. Et je vous invite aussi à faire des pauses de week-end pour vous, à vous retrouver soit avec votre famille, avec vos amis, mais faire autre chose que votre travail. Bonjour Marie-Laure. Et donc, je l'applique. Donc, le prochain live sera lundi. Il ne sera pas à midi parce que je serai ailleurs, mais il sera dans l'après-midi et plus précisément vers 17h, je vérifie pour ne pas vous dire de sottises. Je pense, oui, je l'ai programmé pour 17h. Donc, je vous retrouve lundi à 17h pour un autre petit live, un autre petit conseil. Portez-vous bien tous. Oui, Noël, je suis d'accord avec toi. Le FT, ça fonctionne vraiment bien par Skype aussi. Oui, oui. Ben, merci à vous de votre participation. Et puis, que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance de tout. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.